Comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des cigognes. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix, très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bat. La terre de charbon noir est le seul placement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par cette poire avant d'éclater à l'orifice de la terre. Il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or ce septième homme est un cheval, un cheval avec un homme qui l'aime. Mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue et tranche, les six hommes roulés à la terre et successivement comme des tournesols, non pas des soleils, mais sols tournant des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gong de plus en plus sombre et rentrée du tambour, jusqu'à ce que tout à coup de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir, avec un homme nu, absolument nu, et vierge sur lui, ayant bondi, ils avancent en suivant les méandres circulaire, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher, jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix dans le tour majeur du rite. Et justement l'abolition de la croix ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre.